vous vivrez, là vous mourrez, et de là, on vous fera sortir. Ô enfants d'Adam, nous avons fait descendre sur vous un vêtement pour cacher vos nudités, ainsi que des parures. Mais le vêtement de la piété, voilà qui est meilleur. C'est un des signes de la puissance d'Allah, afin qu'il se rappelle. Ô enfants d'Adam, que le diable ne vous tente point comme il a fait sortir du paradis vos pères et mères, leur arrachant leurs vêtements pour leur rendre visible leur nudité. Il vous voit, lui et ses suppôts, d'où vous ne les voyez pas. Nous avons désigné les diables pour alliés à ceux qui ne croient point. Très belle, une vie sociale plus belle et plus intéressante que la nôtre, hein, c'est peut-être un peu surprenant. Sauf que, ils ont cette possibilité de pouvoir descendre dans notre monde. La plupart du temps, dans la succession des mondes, les êtres qui sont de naissance, hein, dans un certain plan, peuvent descendre dans le monde inférieur et pas s'élever au-dessus, quoi. Donc, elles peuvent descendre très facilement dans le nôtre. Lorsqu'elles descendent en translation, elles ne sont ni vues, on le sait bien, ni vues ni entendues. On sait aussi qu'elles nous voient parfaitement, qu'elles peuvent lire nos pensées, qu'elles peuvent se déplacer comme elles le veulent dans l'espace et peut-être même les lignes de temps. Hein. Oui. Et ce qui les intéresse, elles ont remarqué que ce qui les intéresse, c'est une certaine qualité d'émotion. Alors, il y a des classes d'entités qui ont des appétences, par exemple, pour la peur, d'autres pour des formes d'angoisse et d'autres des formes de joie, extatique un peu. Hein, est-ce que ça explique, pardon de t'interrompre, mais est-ce que ça explique justement les entités qui cherchent la joie, que j'appelle la fausse joie? Est-ce que ça explique des manifestations comme les Jeux olympiques, comme les grands matchs de foot où tout est mis en avant par les médias, il n'y a plus que ça qui existe et tout ça, tout le monde doit être heureux et tout ça, alors que moi personnellement j'aime bien les Jeux olympiques, je regarde, je le dis ouvertement, mais il y a des gens qui n'aiment pas ça et ils ne sont pas forcés d'être heureux et tout ça, mais là c'est comme si tout le monde est forcé à voir ça et tout ça. Est-ce que ce n'est pas un espèce de rituel comme ça pour nourrir ces entités? Pardon de t'avoir interrompu, mais c'est... N'importe quelle manifestation de groupe, si on prend n'importe quel match de foot, si on parle, hein, sans parler des Jeux olympiques, ou s'il y a une foule qui va dire « Oui, on a marqué !» Là, il y a un lâcher d'émotion qui n'est pas perdu pour tout le monde, évidemment. Donc, il y a forcément, à un certain niveau, des encouragements à ce type de manifestation, tout comme il y a des encouragements aux guerres, voilà. Mais ça dépend aussi des classes d'entités. Les entités qui vont influencer nos chefs d'État, nos chefs de guerre, ces choses-là, sont d'un niveau qui n'est pas le même qu'une entité qui passe par là, on va dire citoyen lambda éthérique, qui vient dans notre monde et qui remarque que, on va dire quelqu'un qui a une peur, hein, quelqu'un a peur, que cette peur est délicieuse pour lui. Elle est délicieuse. Elle est délicieuse d'autant plus que, donc elle peut capter cette émanation. Elle la capte en plongeant une de ses, on pourrait dire, tentacules, hein, au niveau éthérique de l'être. C'est comme une drogue pour eux. C'est un plaisir. C'est un plaisir, d'autant plus que, contrairement à la drogue chez nous, il n'y a pas d'effet secondaire. C'est un plaisir absolument merveilleux pour ces êtres qu'ils ne connaissent pas sur leur propre plan. Ouais, c'est un peu les drogués, quoi. Tous les êtres éthériques ne viennent pas en translation chez nous. On a affaire à des gens qui, on va dire, abusent un peu d'une certaine position avec leur possibilité de translation. Comment est-ce qu'ils font ? Ils vont donc plonger cette tentacule dans l'être. Là, il y a un mélange d'énergie vitale
qui savent mélanger à l'émotion. Et c'est ce mélange qu'ils opèrent, qu'ils savent opérer, parce que l'énergie, l'émotion brute, ça ne va pas. Et l'énergie vitale, ça ne va pas non plus. Il faut qu'il y ait un mélange. Ce mélange, ils peuvent le faire. Et donc, évidemment, s'ils nous pompaient que nos émotions, pourrait très bien ne pas s'en rendre compte, mais il nous pompe l'énergie vitale et c'est ce qui nous met en état de faiblesse. Et eux, bien sûr, ont aussi compris que plus on va être dans des états, par exemple, ben justement d'angoisse ou de peur, plus il y a production, plus il y a des choses délicieuses. C'est-à-dire que, à mon sens, ils ne nous dévorent pas, ils ne nous mangent pas, ils ne veulent pas notre destruction. Bien au contraire, puisqu'ils nous considèrent comme une espèce inférieure, un peu comme nous, on va considérer les mouches ou les insectes. On va envoyer un moustique, on va le claquer sans aucun état d'âme. Il n'y a aucun état d'âme pour eux de puiser en nous ce mélange émotionnel. Certains l'appellent le louche, hein, pour certains auteurs, ce mélange d'énergie vitale et d'énergie émotionnelle. Ça, c'est l'entité qui vient et qui passe par là, qui en profite. On va dire que c'est la méthode artisanale. Et puis, il peut revenir et puis il va essayer d'encourager les conflits, par exemple, dans le couple ou dans la famille. Il va essayer d'infuser des idées pour qu'il y ait la production qui lui plaît. Il ne voit pas de mal à ça. C'est ça qui est intéressant. On parle de certaines classes d'entités, hein, on va dire les plus. C'est le cas le plus courant, hein. Par contre, il y a une manière industrielle. Il y a des petits malins éthériques qui se sont réunis et qui collaborent avec d'autres êtres. Là, si on parle par exemple des fameux gris, hein, qui sont capables de créer des espèces de technologies éthériques. Et là, c'est la pose d'implants. C'est-à-dire que lorsqu'un être éthérique vient en translation, ça lui demande un effort. Il ne peut pas rester très longtemps. Donc, il va faire son pompage ou il va repartir. Mais ces groupes d'entités, ce qu'elles vont faire, c'est poser un implant. Il faut qu'il y ait une faille, hein. Il faut qu'il y ait une faille ou une forme d'accord. Il y a un certain nombre de règles de fonctionnement. Et cet implant, une fois qu'il est posé, elles peuvent retourner sur leur propre plan. La personne va avoir, par exemple, des récurrences. Dans le genre, je vois rien, je suis une merde, tout ce que je fais, je le rate. Par exemple, hein, ça peut être ça, l'implant qui va encourager quelque chose qui est déjà plus ou moins existant chez la personne, mais va encourager ça pour la maintenir dans cet état. Après, l'entité va revenir. L'implant sert plus ou moins de GPS la plupart du temps, donc va repérer rapidement, instantanément sa proie, récupère le produit, le louche, hein, et va faire une mise à jour ou réintroduire un autre implant. Et de cette manière-là, ils créent même des réserves sur leur propre plan, des espèces de hangars avec ces produits, on pourrait imaginer des flacons qui sont là, et n'importe qui peut venir et puis se faire sa petite dose. C'est presque une forme pour eux c'est presque l'aristocrate qui va s'envoyer en l'air, hein, du 19e, comme on pourrait imaginer. Il n'y a pas une volonté pour la part de ces entités, donc de destruction. Ils n'aiment pas les gens qui sont malades parce que la qualité va pas être la même. Donc, ils ne cherchent pas à nous rendre malades, mais ils nous rendent malades du fait d'épuisement d'énergie vitale quand même. Il y a Oui, d'autres classes, ouais. c'est comme une ferme humaine, vraiment, comme dirait Margret, la ferme humaine. C'est ça. Ben, ils nous considèrent comme du bétail parce que, ils nous considèrent comme étant non intelligents au vu de leur intelligence. Mais ils ne sont pas réellement plus intelligents que nous, ils sont à peu près on va dire au même niveau. Par contre, c'est l'intelligence fonctionnelle qui est différente. C'est-à-dire que nous, si on veut réparer un ordinateur, ben, il faut être un spécialiste ou alors il va falloir se farcir pas mal de bouquins techniques pour pouvoir arriver à réparer, par exemple, un ordinateur, hein, le hard. Hein.
Et un être éthérique a une espèce d'intelligence intuitive, fonctionnelle. Il va réparer l'ordinateur, mais il ne pourra pas décrire comment. Voilà. Donc, mais du coup, ils ont un fonctionnement beaucoup plus efficace sur leur propre plan. Et ils nous prennent pour des neuneux, hein, pour des imbéciles, pour des gens et aussi très naïfs, quoi. Voilà. Pour la naïveté, c'est une autre classe qui va. Oui, tu peux élaborer. Ça, c'est les manipulateurs. Eux, ce qui les intéresse, c'est la dévotion. Voilà. Ils aiment avoir des serviteurs, les gens qui les adorent. Donc, c'est eux qui vont encourager les systèmes religieux, les systèmes d'adoration, que ce soit un dieu des religions, quelles qu'elles soient, hein, dans le monde, ou des êtres angéliques, ou évidemment sataniques. C'est pareil, du moment que ça fonctionne, du moment que ça marche, du moment qu'il y a une forme d'adoration, du moment qu'il y a des prières, les prières, ils peuvent les capter et se régaler, hein, avec ça. C'est cette notion de nutrition qui est, dans la plupart des cas, à affiner, parce qu'on s'imagine toujours qu'ils nous dévorent, quoi. Il y a des êtres beaucoup plus pernicieux. Sais, on dit cette fameuse règle, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Chez nous, on a des gens vraiment dangereux. On va dire, je ne sais pas quel est un des êtres parmi les plus dangereux chez nous, mais on va dire un chef de mafia, quoi, un mafieux. Le mafieux est sans scrupules, il a ses objectifs. Il le fait pour sa famille, n'est-ce pas? Il ne se sent pas mauvais, mais il est sûr de son bon droit et il fonce. Là, on a affaire à des individus qui sont plus rares. C'est ceux qu'on appelle les archontes. Et ceux-là se nourrissent du sang, des effluves du sang. C'est-à-dire, comment ça marche? Si quelqu'un meurt, il meurt dans un accident, par exemple, son sang s'épanche, l'énergie vitale majeure, et pas mineure comme dans l'infestation classique, là c'est toute l'énergie de l'être qui va se disperser dans l'atmosphère. Elle est perdue pour ces êtres. Mais s'il y a ce qu'on appelle un sacrifice, c'est-à-dire si l'être meurt pour l'entité, elle est la plupart du temps capable de capter l'énergie parce qu'elle est lui adressée. Et cette énergie-là la rend extrêmement puissante. Elle lui donne des capacités qu'elle devrait pouvoir normalement développer par un développement intérieur, mais elle triche en quelque sorte parce qu'elle trouve le moyen de booster à l'extrême ses propres capacités. Donc ça, ce sont des êtres très puissants qui ont une influence très grandes, mais qui vont choisir des êtres où ça va être intéressant pour eux, donc des êtres à pouvoir, des êtres, voilà, genre chef d'État ou chef d'armée, dont les décisions peuvent avoir des conséquences qui les intéressent. Parce qu'évidemment, une guerre, un attentat, des choses comme ça, c'est très intéressant du part de la frayeur qui est dégagée et aussi le sang. Le sang qui est coulé. Est-ce que ce Après, il y a. sont ces êtres qui sont derrière les rituels sataniques, les messes noires, et tout ça? Eh oui, eh oui. Comment ça se passe? Et quand ceux-ci commettent une turpitude, ils disent, c'est une coutume léguée par nos ancêtres et prescrite par Allah. Dis, non, Allah ne commande point la turpitude. Direz-vous contre Allah ce que vous ne savez pas? Dis, mon Seigneur a commandé l'équité. Que votre prosternation soit exclusivement pour lui, et invoquez-le, sincère dans votre culte, de même qu'il vous a créé, vous retournerez à lui. Il guide une partie, tandis qu'une autre partie a mérité l'égarement parce qu'ils ont pris au lieu d'Allah les diables pour alliés, et ils pensent qu'ils sont bien guidés. Ô enfants d'Adam, dans chaque lieu de Salat, portez votre parure, vos habits, et mangez et buvez, et ne commettez pas d'excès. Car Allah n'aime pas ceux qui commettent des excès. Dis,
Qui a interdit la parure d'Allah qu'il a produite pour ses serviteurs ainsi que les bonnes nourritures? Dit, elles sont destinées à ceux qui ont la foi dans cette vie, et exclusivement à eux, au jour de la résurrection. Ainsi exposons-nous clairement les versets pour les gens qui savent. Dit, mon Seigneur n'a interdit que les turpitudes, les grands péchés, tant apparentes que secrètes, de même que le péché, l'agression sans droit, et d'associer à Allah ce dont il n'a fait descendre aucune preuve, et de dire sur Allah ce que vous ne savez pas. Pour chaque communauté, il y a un terme. Quand leur terme vient, ils ne peuvent le retarder d'une heure, et ils ne peuvent le hâter non plus. Ô enfant d'Adam, si des messagers choisis parmi vous viennent pour vous exposer mes signes, alors ceux qui acquièrent la piété et se réforment n'auront aucune crainte et ne seront point affligés. Et ceux qui traitent de mensonges nos signes et s'en écartent avec orgueil sont les gens du feu et ils y demeureront éternellement. Quel pire injuste que celui qui invente un mensonge contre Allah ou qui traite de mensonges ses signes. Ceux-là auront la part qui leur a été prescrite, jusqu'au moment où nos envoyés, nos anges, viennent à eux pour leur enlever l'âme, en leur disant « Où sont ceux que vous invoquiez en dehors d'Allah ?» Ils répondront « Nous ne les trouvons plus, et ils témoigneront contre eux-mêmes qu'ils étaient mécréants. » « Entrez dans le feu, dira Allah, parmi les djinns et les hommes des communautés qui vous ont précédés. Chaque fois qu'une communauté entrera, elle maudira celle qui leur a précédé. Puis, lorsque tous s'y retrouveront, la dernière fournée dira de la première, « Ô notre Seigneur, voilà ceux qui nous ont égarés. Donne-leur donc double châtiment du feu. » Il dira, « À chacun le double, mais vous ne savez pas. » Et la première fournée dira à la dernière, « Mais vous n'avez sur nous aucun avantage. Goûtez donc au châtiment pour ce que vous avez acquis. » Pour ceux qui traitent de mensonges nos enseignements et qui s'en écartent par orgueil, les portes du ciel ne leur seront pas ouvertes, et ils n'entreront au paradis que quand le chameau pénètre dans le chat de l'aiguille. Ainsi rétribuons-nous les criminels. L'enfer leur servira de lit, et comme couverture, ils auront des voiles de ténèbres. Ainsi rétribuons-nous les injustes. Et ceux qui croient et font de bonnes œuvres, nous n'imposons aucune charge à personne que selon sa capacité, ceux-là seront les gens du paradis, ils y demeureront éternellement.